Sabonia, le monde que tu construis. Chers parents, spectateurs ou visiteurs, vous êtes venus parfois de très loin pour vivre un week-end féerique que propose l'agglomération nancyenne afin de me célébrer. Car, comme vous le savez, je suis le saint patron de la Lorraine. Soyez les bienvenus. Nous avons feuilleté cette année le grand livre de l'histoire, avec de nombreux clins d'œil à cette passionnante période de la Renaissance. Savez-vous d'ailleurs que c'est le duc lorrain René II qui, en signe de reconnaissance pour sa victoire de 1477 sur Charles le Téméraire, a décidé de placer la Lorraine sous ma protection et ordonné l'édification de la basilique de Saint-Nicolas de Port? Ah, la Renaissance! N'est-ce pas là un beau mot qui porte une espérance à partager? Les chars du défilé, riches d'inventivité, ont célébré ces grands hommes, inventeurs, artistes et architectes de cette période Renaissance. Les musiciens joyeux et les déambulations ludiques ont été soigneusement orchestrés pour vous offrir un avant-goût des nombreuses programmations qui vous seront proposés de mai à août 2013 sous le signe de la Renaissance à Nancy. Que samedi prochain, l'illumination du sapin de la Renaissance sera l'occasion pour vous de découvrir de nouvelles histoires et d'assister à la 767e procession au Flambeau en la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Encore bravo et merci à tous ceux qui ont contribué sans compter à la réalisation du défilé des festivités de la Saint-Nicolas 2012. Un immense merci à vous tous d'être venus si nombreux et que la fête continue. Surtout, n'oubliez pas d'ajouter une pincée d'esprit de la fête de Saint-Nicolas dans vos vies.